chaque année de faire le devoir de faire une fonction, faire une mahayagya pour commémorer mémoire Nouman Ancêtre. Ici à Antoinette, en 1834, quand Nouman Ancêtre tu poses les pieds dans Apravasighat, après 2 jours, c'est pas 3 jours, tu viens là. C'est la première place que tu viens travailler, Antoinette, établissement Antoinette. Finalement, lapidation, nous voulons dire. Nous avons Kalimaï dans Maurice. Mais quand nous avons ça, d'année en année, saisissez pas un lieu de culte hindou qui peut être visé, peut être vandalisé à ce point-là. Si ça arrive, ça l'église touquée, pas fin de non, qui finit d'arriver plus tard, et t'as des affaires comme ça, chaque semaine, qui te demandent de vandaliser, mais nous bien bien des programmes pour ça. Qui la loi nous est là pour décourager ça, Mandjim, on a fait ça, Manatla. Quand on a la loi, c'est VLON issue. Mais Djimoun, pour décourager, on fait un travail pareil. Mais dans Maurice, la loi passée, c'est vélo, ça va nous affaire. Alors, nous demandons le commissaire de police, la justice, le gouvernement, le premier ministre, ministre Manteau, qui est aussi ministre de la Défense. D'ailleurs, laisse-moi te rappeler une affaire. Nous avons le numéro 7, là, le ministre Manteau, sur circonscription. Il fait un appel aux jeunes. Et nous connaissons. Nous l'appelons pour être entendus, parce qu'il nous fait l'appel du cœur. Bizet, du ciel, la loi, l'eau, sa côté, côté, Djimoun, peut vandaliser, ban mandir, ban kalimaï. Nous pouvons assister, nous pouvons causer l'eau, ban table ronde. Et nous pouvons prendre une décision qui s'impose. Si ça continue, nous pouvons assister. Alors, nous faisons l'appel du pays au gouvernement avec toute une instance. Bizet, Azir, ça peut déstabiliser l'harmonie sociale de nos pays. Avant ça, il y a une dégradation qui bouge ce pays-là. Moi, je m'attends qu'ils soient Azir. Comment Bizet, Azir? Pas veut dire que nos majorités nous refaisent ce qu'ils nous comptent, non. Mais nous l'avons besoin d'être entendus. Qui fait jusqu'à une élection qui vient taper un doux sur la peau, vient dire qu'il y a un beau besoin de vote. Mais quand l'élection vient, côté hindou est dit, côté autre met hindou. Nous ne pouvons pas trouver un petit politicien tout le temps. Quand il y a une élection, nous avons un parti qui nous trouve pour travailler dans l'intérêt hindou. Nous ne sommes pas contents de faire une politique comme ça. Mais bon, dans l'élection 18, nous avons une petite idée. Nous avons analysé la couleur parti. Nous avons analysé d'une façon hindou. Première question que nous avons dit, vous avez voté hindou. On peut dire pas. Écoute-moi, un hint ça. Où peut dire ça? Moi, peut dire ça d'abord. Nous avons voté un argument. Nous avons voté une idéologie. Nous avons voté sans frayer, toi. Nous avons voté un Djimoun qui est dans Gara. 4. Nous votons la personne. Nous votons un Djimoun qui demain pour un porte-drapeau hindou. Yogi Sri Adityanath ji, qui est chief ministre de l'État d'Uttar Pradesh. Les mots qui sont politiciens, les conclusions qui sont tirées, les causes qui sont posées. Nous sommes des politiciens qui retirent un capital politique là-dedans. Il est vraiment honteux. Il est odieux, il est dégoûtant. L'Inde. Et de Maurice, dans toute qualité façon. Même dans le projet Métro Express. Il donne un cadeau. Mais quand ça va dire que les politiciens ne peuvent pas causer comme ça. Mais quelle image de Maurice peut projeter au niveau international. Si tu comptes en ça, c'est parti pour créer une situation, pour ternir l'image de nos pays aux yeux de l'Inde. Alors nous faisons la paix à ça, Bandjimoun. Politique ou faire, quand il y a l'air pour faire politique. Je trouve partout, Divalinaï, Virendra Ramden, qui des affaires. Mais là, je trouve que c'est une bonne cause. Il vient dire au Premier ministre, un serpent qui est dans la cage, de vous donner le gilet d'Aïd, ce qui est là, il vous pique tout. Si un Djimoun cause bonne cause, nous pouvons donner un coup de main. Mais si un Djimoun fait une bonne cause, vous allez franc et ça, vous pouvez dérailler, vous pouvez déraper.